Précurseur de NAD+. Coenzyme Q10. Resveratrol. Alors vous pouvez me croire, aujourd'hui encore, les traitements contre le vieillissement restent assez moyenâgeux. Ceci dit, on va pas cracher sur quelques petites anémies en plus. Ah. Je devais avoir une vingtaine d'années, comme certains d'entre vous, lorsque j'ai réalisé que nous étions en face d'une convergence technologique qui pourrait nous permettre de ralentir, voire même d'arrêter le vieillissement humain dans les décennies à venir, et faire de nous, potentiellement, la première génération d'êtres humains immortels. Alors vous remarquez que je dis immortel, et pas immortel, parce que vieillissement ou pas, on ne pourra pas empêcher les gens de mourir, ou même de gagner un Darwin Award. Et ça arrive à nos plus grands. Par exemple, l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg, mort en 1519, au retour d'une partie de chasse, une indigestion de melon. Donc là, on voit bien, vieillissement ou pas, on ne pourra pas empêcher les gens de mourir. Mais ceci dit, je trouve que l'idée de ne plus avoir de date de péremption est plutôt séduisante. Et c'est pour ça que j'ai dédié ma vie à une chose. Donner le choix. Donner le choix le plus vite possible à l'humanité de pouvoir vivre ou de mourir. À chaque individu de vieillir ou de ne pas vieillir. Puis j'ai bien donné, hein. Je passais longtemps sur les bancs de l'école, j'aimais pas ça du tout. Mais bon, ingénieur, doctorant en physique, post-doctorant en biologie, le CV idéal pour arrêter le vieillissement humain. Et c'était génial d'être chercheur. Je veux dire qu'on a gardé une âme d'enfant, être chercheur ça consiste à repousser les limites de la science en jouant avec des Lego à 100 000 euros. Le bonheur. Malheureusement pour moi, j'ai assez vite réalisé que pour atteindre ce que je voulais faire dans ma vie, ça servait strictement à rien de rester dans la recherche publique. Puis là, j'ai tout plaqué pour aller me lancer dans des ribambelles de création d'entreprises innovantes dans le domaine des biotechnologies. Déjà, c'est vous dire si je crois dans mon sujet. Parce qu'on a imaginé qu'on va vivre un paquet d'années pour balancer 10 ans d'études à la benne. Mais bon. Mais j'étais bloqué parce que lorsque j'ai réalisé on pourrait peut-être créer la première génération d'Homo sapiens immortels, plus rien d'autre n'avait de sens, tout paraissait insignifiant, même développer un nouvel iPhone. Et pourtant j'avais peur, et d'ailleurs j'ai toujours peur, d'ailleurs vous devriez probablement également avoir peur, parce que qui sait demain ce que l'humanité fera du pouvoir de modifier le génome humain? Qui pourrait me dire aujourd'hui, à 100%, que les bénéfices seront supérieurs aux risques? Parce que si on regarde, ça dépendra des décisions de nos politiques dans 20, 30, 40 ans. Ça dépendra des gens qui votent pour eux. Ça dépendra en partie de vous. Et je ne vous connais pas. Du coup, ça me fait peur. Et vous l'avez compris, j'ai quand même fait mon choix. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, que se décide si dans 20, 30 ou 40 ans, les gens pourront choisir de vieillir ou de ne pas vieillir. Et j'ai décidé de ne pas leur voler cette liberté. Alors, heureusement pour moi, et pour vous aussi, parce que sinon on ne saurait pas avancer bien vite, j'ai réalisé que j'étais pas tout seul. Il y avait une réelle révolution mondiale dans le domaine de la lutte contre le vieillissement. Vous êtes-vous déjà demandé, par exemple, pourquoi Google a investi 1,5 milliard de dollars pour, je cite, « tuer la mort et arrêter le vieillissement humain » ou pourquoi Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a déclaré cette année investir 3 milliards de dollars aussi, mais lui pour éradiquer toutes les maladies humaines d'ici la fin du siècle. Et surtout, qu'est-ce qui peut leur faire penser que leurs investissements seront rentables dans les décennies à venir? Je vous laisse y réfléchir, on en parle un peu après. Si on regarde de près, l'espérance de vie de l'humanité n'a pas vraiment bougé au cours des 40 000 dernières années. Le calme plat. Si ce n'est au cours des 150 dernières années, où tout d'un coup, on s'est mis à gagner 6 heures d'espérance de vie toutes les 24 heures. Alors pour les fêtards et les amoureux de la couette, comprenez bien que c'est un week-end de gagner toutes les semaines. Hein, quand même pas rien. Mais ceci dit, en parallèle, il y a un truc qui n'a pas bougé d'un iota.
c'est la longévité de l'espèce humaine, c'est-à-dire l'âge maximum que peut atteindre un individu. Et on est resté scotché à 120 ans. Et le plus remarquable, c'est que cette date de péremption était marquée dans les évangiles. Je cite. « Que mon esprit ne soit pas indéfiniment humilié dans l'homme. » Remarquez la petite voix de baryton quand je parle à la place de Dieu. C'est systématique, vous l'avez remarqué. « Puisqu'il est cher, sa vie ne sera plus que de 120 ans. » Genèse, chapitre 6, verset 3. Alors je peux vous dire, je n'étais pas impressionné par l'Ancien Testament à toutes les pages, mais là, je ne sais pas comment ils ont deviné. Impressionnant. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qui limite principalement l'espérance de vie de l'humanité et sa longévité. Et on va le voir, c'est le vieillissement. Une sorte de programme génétique d'autodestruction présent dans chacun d'entre vous, qui se met en route aux alentours de 20 ans et mène à une mort certaine une centaine d'années après. Vers 120 ans. Et d'ailleurs, l'année de vos 20 ans, vous avez une chance sur 1000 de mourir. Prenez ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça vous regarde déjà. Sachez que c'est principalement de suicides, de maladies infectieuses et d'accidents. Mais moi, ce que j'en tire, c'est qu'en l'absence de vieillissement, l'espérance de vie d'un Français moyen serait de 1000 ans. Et si on regarde, ça marche pareil pour tous les animaux, presque tous les animaux. Que vous soyez une souris ou un homme, à partir d'un certain âge, vos chances de mourir dans l'année augmentent exponentiellement. Pour l'homme, à partir de 20 ans, vos chances de mourir dans l'année doublent tous les 7 ans. Vous pouvez me croire, ça monte vite vers la fin. Et ça, c'était pour Homo sapiens 1.0. On est là pour voir que cela pourrait peut-être changer. Et d'ailleurs, il existe, sur Terre, des espèces qui semblent ne pas vieillir du tout. C'est le cas du homard. C'est le cas de la palourde également. Et d'ailleurs, pendant que je suis ici, j'en profite, c'est mon côté prosélyte, je lance un appel à toute la communauté scientifique pour relancer les recherches sur la palourde et tous ses petits amis, pour faire en sorte de comprendre les secrets de leur longévité, mais surtout leur piquer tout ce qui marche. C'est important. Le plat de spaghetti derrière moi, c'est toutes les choses qui peuvent vous tuer et les chances qu'elles y arrivent chaque année de votre vie. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles augmentent toutes à peu près de la même manière avec le temps, du moins presque toutes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai étudié précisément cette liste et assisté à un TED avec moi n'en fait pas partie. Donc détendez-vous, pendant les 15 prochaines minutes, tant que vous êtes avec moi, vous êtes en sécurité. Mais la deuxième chose qu'on peut apprendre de ce plat de spaghettis, c'est qu'à partir d'un certain âge, si on éradique une classe de maladies, une autre prendra immédiatement le relais. Par exemple, si on éradiquait l'intégralité des cancers dans l'intégralité de l'humanité, l'espérance de vie de l'humanité augmenterait de 3,5 années. C'est triste, mais comme disait Kennedy, il ne faut pas se laisser abattre. Et si, comme moi, vous souhaitez augmenter radicalement l'espérance de vie de l'humanité, il suffit de ne pas traiter les conséquences, mais s'attaquer aux causes. Alors même si vous me direz, et c'est prouvé petit, qu'à l'âge de 20 ans, on peut mourir d'un cancer ou d'un Alzheimer, ça reste des statistiques assez insignifiantes. Lorsqu'on regarde toutes ces maladies, toutes ces causes de mortalité augmentées au cours du temps, on se dit qu'il y a une cause principale à toutes ces maladies, le temps qui passe, le vieillissement. Et ainsi, la question qui se pose pour moi aujourd'hui ne tourne pas autour du plat de spaghetti. Non, la question qui se pose pour moi est de savoir si l'humanité dispose des outils technologiques qui pourraient nous permettre de reprogrammer ce programme génétique d'autodestruction dans les décennies à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que la révolution en cours dans le domaine des biotechnologies nous donne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de sérieuses chances de pouvoir ralentir, voire même d'arrêter le vieillissement humain. Il faut comprendre que la médecine a avancé plus rapidement en un siècle que pendant toute l'histoire de l'humanité réunie. Et c'est encore plus vrai dans les 20 dernières années. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un médecin de rester à jour, même dans sa spécialité. Et d'ailleurs, pendant qu'on est là, entre nous, si un jour vous avez une maladie grave, je vous invite à choisir votre médecin exactement comme vous choisiriez votre coiffeur. Si vous voulez que ça finisse bien, choisissez le bon. Et revenons à nos moutons. Découvrons ensemble ce que le futur nous réserve, ces fabuleux outils biotechnologiques.
Alors la première chose à faire lorsqu'on veut reprogrammer un code génétique, arrêter le vieillissement humain, c'est d'identifier les gènes responsables du vieillissement. Et c'est là qu'intervient le premier outil de ce milieu de technologie, le big data génétique. La possibilité de séquencer, c'est-à-dire de lire, le génome d'un individu à très bas coût. Depuis le séquençage du premier génome, en 2003, le séquençage d'un génome humain, son coût, a été divisé par près de 3 millions. Aujourd'hui, on peut séquencer son génome pour moins de 1 000 euros. Et des millions de personnes, comme moi, l'ont fait. Et c'est la lecture de ces millions de génomes, couplée à une intelligence artificielle adéquate, qui nous permettra de faire le lien entre chaque gène, chaque maladie et l'espérance de vie de chaque patient. Et vous allez me dire, connaître les gènes, c'est bien, mais par contre, il faut arriver à les modifier. C'est là qu'intervient le deuxième outil du sujet des biotechnologies, les thérapies géniques. Grosso modo, une thérapie génique consiste à modifier le génome d'un patient en insérant un gène à l'intérieur de son génome. Par exemple, si vous avez une maladie génétique, comme la drépanocytose par exemple, une thérapie génique viendra inactiver le gène responsable de la drépanocytose et le remplacer par un gène qui fonctionne. Le résultat à la fin, c'est que vous n'aurez plus la drépanocytose. Je vois que la drépanocytose passionne les foules. Ceci dit, je suis sûr que c'est vous qui en allez me parler de thérapie génique le jour où, par exemple, on aura découvert le gène de la gueule de bois. Un truc comme ça. On en reparlera. Mais certains d'entre vous pourraient me dire également, mais thérapie génique, ça existe depuis le début des années 80. Alors oui. Mais à l'époque, on avait un gros problème. On ne pouvait pas contrôler l'endroit où on insérait le nouveau gène dans le génome du patient. Et ça, en termes de contrôle de résultats, c'était catastrophique. C'est un peu comme placer un mot au hasard dans une phrase. Ça peut faire sens, mais c'est un sacré coup de bol. Et bien, c'est pareil quand on place un gène au hasard dans le génome d'un patient. Et ce domaine a connu une véritable révolution en 2012 avec la découverte de CRISPR-Cas9. Grosso modo, une technologie qui nous permet de modifier le gène que nous voulons à l'endroit que nous voulons dans le génome du patient. Alors de mon point de vue, CRISPR-Cas9, en l'état, ne suffira pas à elle seule pour pouvoir arrêter le vieillissement humain. Mais ce domaine avance à une vitesse faramineuse. 5 ans après, il y a déjà plus de 2000 thérapies géniques en cours de tests cliniques, principalement d'ailleurs pour guérir des cancers. C'est 20 fois plus que le nombre d'antibiotiques en cours de tests cliniques. C'est un véritable raz-de-marée, et c'est typique des dynamiques de la révolution biotech. Ça va à une vitesse pas possible. Nous disposons déjà de 2 outils qui pourraient nous permettre, dans une certaine mesure, de ralentir le vieillissement humain, voire même de l'arrêter. Mais ceci dit, il serait de bon ton d'éviter de refaire les erreurs que nous faisons systématiquement dans le passé, lorsque nous retrouvons en face une grande découverte. Au début du XXe siècle, par exemple, on avait découvert la radioactivité 2 décennies auparavant, et on était persuadé que cette énergie magique pouvait tout guérir. Et je suis allé vous chercher quelques petites pubs d'époque. Vous allez voir, on a vu sortir sur le marché des sodas radioactifs, donnent une énergie infinie comme la pile atomique. Ou ces fameux suppositoires radioactifs contre l'impuissance masculine. Chapeau. Je pense que le summum a été atteint avec les gilets en laine, auto-chauffants pour bébés radioactifs. Je vous rassure, la mode est vite passée. Mais on voit bien qu'il va être nécessaire, pour éviter ces écueils, de pouvoir tester rapidement et efficacement tous les traitements expérimentaux contre le vieillissement. Et c'est là qu'intervient le troisième outil issu des biotechnologies, les humains sur puce. Alors rassurez-vous, je ne vous parle pas de cultiver des êtres humains miniatures sur des petites puces. Je ne suis pas Gargamel, je ne torture pas des schtroumpfs. Non, les humains sur puce visent à reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement d'un organisme humain en faisant des cultures cellulaires humaines sur des petites puces microfluidiques comme celle-ci. Et ce domaine aussi a connu un énorme boom avec la découverte, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années d'ailleurs, des cellules souches pluripotentes induites. Grosso modo, une technologie qui nous permet de prendre les cellules de peau d'un patient et de les transformer en cellules de base de n'importe lesquelles de ses organes. Foie, poumon, cœur, cerveau.
Et une fois organisées intelligemment, ces cultures cellulaires humaines forment des multi-organes surplus, des humains surplus. Et c'est eux qui nous permettront de tester rapidement et efficacement les traitements contre le vieillissement, en limitant au maximum les tests sur cobayes humains et sur les animaux. 3 millions. J'ai pas pu m'empêcher. Vous allez me dire, c'est quand même plus efficace et surtout plus rapide que de tester un traitement expérimental sur quelqu'un et de regarder le résultat 70 ans après sur son vieillissement. Mais là où les humains surplus seront primordiaux, c'est qu'il va probablement falloir modifier des dizaines, voire des centaines de gènes chez un même patient pour complètement arrêter son vieillissement. Et c'est là que les humains surplus seront cruciaux, pour tester les millions de combinaisons de thérapies géniques qui seront nécessaires pour trouver la plus efficace. Alors on le voit, nous avons trois outils issus des biotechnologies qui pourraient nous permettre, dans les décennies à venir, de ralentir et voire d'arrêter le vieillissement humain. Le big data génétique, pour identifier les gènes responsables du vieillissement. Les thérapies géniques, pour modifier le génome du patient en conséquence. Et les humains surplus, pour tester les millions de combinaisons de thérapies géniques nécessaires pour trouver la plus optimale. Alors vous allez me dire, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, le sujet est un peu nouveau. Ça demande un peu d'ouverture d'esprit. Ceci dit, je suis formel, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, et donc ne fait pas partie de notre plat de spaghetti. Vous pouvez vous intéresser à ce sujet, vous ne risquez rien. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà en tête la réponse à la question que nous posions au début de cette présentation. Qu'est-ce qui fait que Google et tant d'entreprises de la Silicon Valley investissent des milliards pour arrêter le vieillissement humain? Eh bien, juste parce qu'ils pensent qu'ils vont y arriver. Et qu'ils pensent que les gens seront prêts à payer cher pour ne plus mourir. Vous voulez le plus rapidement possible donner ce choix à l'humanité. Vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs. Il n'est pas nécessaire d'investir des milliards d'euros. Il suffit de vous intéresser au sujet, d'en parler autour de vous. Et à force d'en entendre parler autour d'eux, les responsables politiques comprendront que ce sujet intéresse la population. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des budgets sont alloués à traiter les conséquences du vieillissement. Alzheimer, les cancers, les infarctus. Si nous allouions ne serait-ce qu'un millième des sommes utilisées pour les conséquences, mais cette fois-ci pour traiter les causes, le vieillissement, nous disposerions au niveau mondial d'un budget de 8 milliards d'euros par an. Et je suis convaincu qu'avec un tel budget, tout deviendrait possible. Y compris me donner la joie de vous revoir tous ici, en pleine santé, en l'an 3017.